Papou Papoutino, Dali Dédé, mes meilleurs vœux à tous mes fans du monde entier. Koukba Diakadé, le monument. 1-0 pour le Togo. Je savais que j'avais rendez-vous avec l'histoire. La Coupe du Monde, ça se joue pas chaque jour, chaque semaine, non. Donc il faut être bien psychologiquement, bien se préparer. Non, il n'y avait pas de stress. Kader Koubadja, retenu derrière par Lilian Thuram. Et ici, on voit aussi Patrick Vieira et de l'autre côté, Sylvestre. Sylvestre, oui. Et qu'est-ce que ça te rappelle, cette Coupe du Monde 2006 ouais, ce match, surtout. Ce match, c'est, vous savez, chaque pays africain contre la France, ce match dépasse le stade. Donc, c'était un match un peu spécial, oui. En fait, ce que je me suis dit avant ce match, c'est que, étant gosse, on rêvait de les voir, on rêvait de les toucher. Mais à la veille du match, je me suis dit, c'est eux qui vont courir derrière moi pour m'attraper cette fois-ci. C'était étrange. C'est là la beauté du football. C'est costaud là. Quel est l'effet que ça te fait quand tu regardes ça? Tu rames à côté, Kader, quel est l'effet que ça te fait? Ça fait bizarre. Mmh. Kader, j'ai connu, il était tout petit. Donc là, j'espère qu'il ne m'a pas dribblé. Hein. Non, c'est pas sérieux. Si il t'a dribblé, je me rappelle. C'est un manque de respect. Pour respecter les filles, non. Kader. On l'a jolé Kekedi, Abanon pour Infinity. On l'a jolé Semi Janji. Abano pour Ferrari. Hola tua teta. Hola tua cuenta. Hola la vegata. Paye su, paye ya dono. Musuedo, paye ya pa musuedo. Musuedo, musuedo, paye ya pa musuedo. Franchement, c'était l'un de mes plus beaux jours. Personnellement, moi j'avais joué ce match à la veille avant que le jour J n'arrive. J'étais prêt physiquement, psychologiquement, tout. Donc, comme je vous ai dit, la Coupe du Monde, ça ne se joue pas chaque jour. Donc, faut tout donner comme disent certains. Tu savais que tu allais marquer ce but? Non, quand le match a commencé, 10 minutes après, je savais que je pouvais les maltraiter. Mmh. J'ai ressenti, mais marquer le but, je n'étais pas... Mais ce qui est sûr, je savais que je vais avoir des occasions. Je savais que rien ne peut m'arrêter à part Dieu. Et tu as eu ce beau contrôle de balle au moment où tu allais frapper. Avais-tu le sentiment que tu allais marquer? Bien sûr, j'ai frappé pour marquer. Malheureusement, je crois que si vous regardez bien ce match, je pouvais faire plus. Si j'étais un peu épaulé, je veux dire, je pouvais marquer encore plus que ça. Bon, c'est le foot, on va pas se rejeter le foot, en plus c'est déjà passé. Moi franchement, ce match, en général même, après la Coupe du Monde, je n'ai jamais revu les CD mes matchs. Parce que pour moi, c'était une mésaventure. Mais pour moi, entre guillemets, on est passé à côté d'une très grande chose pour moi. Donc depuis là, je ne regarde plus, je n'ai même plus regardé à part la pub qui passe, mon but, des trucs comme ça. Je pense qu'on est passé à côté d'une grande chose. Il faut être honnête envers soi-même. D'accord. Je pense, moi je crois. Et après avoir marqué ce but, qu'est-ce qui s'est passé après? Le joueur, les dirigeants, la famille, tout le monde Il y avait beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. Je pensais à mes parents, à mon père, que la tête soit légère, à tous les Togolais. Franchement, après le match dans la chambre, il y avait une avalanche d'émotions.
je me suis dit, moi qui regardais la Coupe du Monde, derrière la télé, à travers la télé, aujourd'hui, j'ai joué cette Coupe du Monde, qu'il y a certains grands joueurs, malheureusement, qui n'ont pas pu jouer. En plus, j'ai marqué. C'est comme si, je ne sais pas, le top des tops dans le football, c'est la Coupe du Monde. Si tu n'as pas goûté à ça, tu n'as pas goûté au top. Donc, j'ai pu prouver là-bas, je suis fier. Bon, chacun a sa chance dans la vie. Donc, voilà. Salam alaykoum. Chérif Koubadia, El Hamid Touré, Fraternité Insécable. Après le match même, Thuram est venu, Makelele, il est venu changer son mari avec moi, il m'a encouragé. Même Thierry Henry, ils sont venus m'encourager de continuer comme ça. Donc, voilà, c'est des trucs qui font plaisir. Voilà, on est là pour ça, chacun a son temps. De toute façon, chaque joueur a son temps. Il n'y a rien, la fierté ça ne s'achète pas. Ou bien si tu veux poser des actes historiques, ça ne s'achète pas. C'est un truc qui est gravé dans ma tête. Je crois que je vais mourir avec eux.